Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, j'ai un petit peu bugué dès le début. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 sur Batman The Telltale Games. Alors la dernière fois c'est arrêté où avec mon drone je scannais un petit peu une petite réunion entre mafieux, enfin une petite soirée entre mafieux au Skyline Club, voyez-vous, et je organisais mon plan pour pouvoir mettre KO des méchants qui étaient à l'intérieur. Voilà, j'ai fait un petit peu du n'importe quoi, j'ai un petit peu fait un petit peu au pif, et on va voir ce que ça donne mon petit plan, s'il va fonctionner ou pas. Je sais que vous l'attendiez, attention c'est parti, est-ce que Snake 5030 va se fail? On y va, Fred. Ça se trouve, j'ai oublié un mec ou un truc comme ça ou un truc qui va pas y aller. Ça va pas le faire du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va bien voir. Ah oui, à mon avis, il faudrait que j'appuie sur des touches ronds, comme par exemple là, il y avait rond. Ah, avec une grenade fumigène. Mais ça, je le savais pas, ça, qu'il allait mettre une grenade fumigène. Il me l'a pas dit, le petit coquin. Ouh, ça va faire mal. Je l'encastrerai dans le pilier. Hop, triangle. Oh oui, oh, lui, il a pris le paravent, mais ça, je le voulais, ça. Hop là. Oh merde, bah, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur R2. Ah merde, c'est ma faute, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur R2, c'était trop vite. En plus, c'était souris droite, et moi, je pensais que ça aurait été la souris gauche. C'est bon, en fait, ça a marché, mon plan. À part un où j'ai un petit peu... Le luminaire a pas fonctionné, ou alors il a fonctionné, mais c'était. Moi je croyais ici qu'il allait se prendre sur la tête, mais en fait c'était pas ça. Ah, j'ai loupé. Ah merde, j'ai loupé aussi. J'ai tout loupé. Je suis nul. Ça commence bien cet épisode. Là, faut que je me concentre. Chaîne mieux que ça. Bon, attention. Hop, croix. Hop, à gauche. Ouh, c'est pris la table, ouh, ça fait mal. Allez, on fait table rase et on y va. Ah bah non, en fait il y en a encore. Oh bah voilà Falcon, bonjour. Oh bah hey, c'est pas comme ça qu'on... Oh bah bon bah voilà, bah c'est malin ça. C'est pas comme ça qu'on accueille les gens. Putain, à un moment il faut garder tout sang froid mec. Hop, R2, là j'ai eu le temps. Bah ça c'est un bas de grappin. Hop là, ouf, j'ai eu le temps. Oh mais ça fait mal, mais c'est pas non-violent ça quand même Bruce. Attends, je crois que ça aurait été un peu électrique, ça l'aurait mis KO. Moi j'aurais mis un truc électrique. Ah le mec il a pas mal au dos par contre. Ouais, MP armé. Impulsion électromagnétique. Ouf, c'est pas passé loin quand même. Hop. Oh, c'est jaune, c'est joli. Allez, hop, on va mettre un petit peu de d'ambiance là-dedans. Bah oui, ça a marché. Non, pas la cheminée. Là, putain, là où. Oui, voilà. Allez, hop, dans la télé. Voilà, regarde, t'as vu, t'as pété l'écran. T'es pas très audiovisuel comme mec. Oh bordel, mais c'est le mec qui avait ça quoi. Le mec il avait putain une mitrailleuse. Ah d'accord, ok, bah vas-y. Explosives armed. Fire when ready. Ah oui carrément, bon putain. Oh mais c'est une putain l'arsenal quoi, Batman il est venu là, c'est la guerre, c'est Iron Man presque. Il manque plus que l'armure qui vole et tout. Bon bah excuse-moi pour ta suite hein. Mais bon, bah, R2. Non pas dans la main parce que là ça aurait été un petit peu dégueulasse de lui planter carrément dans la main. Bon bah c'est terminé Falcon. T'as perdu. Abandonne. Ah bon? T'es sûr? Est-ce que tu crois que tu voles? On va voir ça. Where are they? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing.
Mais tu vas te calmer, bordel, et tu me dis et ça va aller mieux après, tu vas voir. Réfléchis un peu. Ah bonjour monsieur, comment vous allez bien là? Still wanna play games? We're being played in, couldn't you? Those chemicals you're so riled up about, they're mine, alright? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess. Ah, c'est un coup monté. And who did? No, we're done. Gotham's watching now. On passe à la télé. Coucou maman. Arrêtez. Ou brutaliser. Bon non, allez. Allez. Tu vas être suspendu là, tu vas être bien. Tu vas être beau là. Allez voilà. Tu vas être beau suspendu là. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. The Waynes? They're behind all this. Ils sont morts. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Oh non, j'espère que c'est pas ça parce que ça me dégoûterait. Après c'est bien pensé, vous allez dire, mais ça me dégoûterait quand même. Ah bah de rien, mademoiselle. Ah bah non. Je vais regarder, je vous ai aidé, il est suspendu là, comme un roast beef, vous avez plus qu'à le prendre. Ah bah putain, on essaie d'aider les gens et puis... Par contre vous auriez pu continuer à tirer là, mais vous l'avez pas fait, c'était bien gentil de votre part, sinon j'étais dans la merde, je tombais, j'étais mort. Chambre avec vue. Ah bah là c'est sûr qu'il y a une belle vue, hein. Même qu'il a même un petit peu une grande fenêtre d'ouverte, il a un beau petit courant d'air quand lorsqu'il fait chaud, c'est pas mal. Alors c'est pas sous-titré, mais je suppose qu'il parle du Skyline Club parce qu'il dit Skyline Club. Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting Batman a arrêté Falcone et l'a suspendu comme un gros bœuf au-dessus de son appartement à Skyline. On ignore encore qui est l'homme derrière le masque, mais le lieutenant de police James Gordon a fait son boulot bien comme il faut. C'est un bon flic. Mais apparemment, ce serait lié au Wayne qui sera le gangster. Mais je crois pas vraiment ça parce que j'ai lu le comics et ce serait peut-être. J'aime pas quand c'est comme ça. Excusez-moi, j'essaie de traduire, mais il dit rien. Bah là, il sous-titre. Ah bah là, j'ai plus le temps de lire. Thomas and Martha's shining reputation called into question. We no longer have such assurances. On est tous très déçus parce que franchement les Wayne ils étaient vraiment bien sympas. Moi je les connaissais perso, la femme elle était super gentille avec moi, elle m'offrait toujours des bonbons quand je venais de la maison, leur dire bonjour. Mais après c'est très suspect parce que Wayne il a dit bonjour au Falcon. Les Wayne, c'est un petit peu quand même bizarre cette histoire. Alors, je vous demanderai bien d'enquêter parce que moi je sais pas enquêter. À vous les studios. Ah là, non, c'est pas fini, attendez. J'aime bien comment il sous-dit. Le jeu n'en a rien à battre, quoi, putain. Oh non, mais tu sautes qu'à la fin et quand il parle, tu suscites trop pas par contre. Putain, quand même, le gars, vous aurez pu faire mieux que ça. Hein. The car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I. What have you been hiding from me? Alfred! Écran noir. Musique terrifiante. De suspense. Épisode 1, Royaume de l'ombre, fini, on a fini l'épisode 1, mais c'est sûr. Enfin, pour vous, c'est l'épisode 4, mais pour le
Je suis bizarre. Alors, avez-vous soutenu Harvey devant Falcon? Vous et 67% des joueurs avaient défié Falcon. Moi, tu m'étonnes en même temps. Avez-vous accepté de figurer dans l'article de Vicky? Ah, par contre, on n'est que 14,6% à avoir répondu à l'article. Enfin, non, en refusant de. À ne pas avoir répondu plutôt à l'article, en refusant de commenter. Putain, bah j'ai pris le choix que tout le monde n'a pas pris. Bah moi, je voulais pas personnellement commenter parce que je me suis dit, si je commente et que je dis des conneries et tout ça, qu'après dans l'histoire, ça se refusera. Bah le contraire. Oh, là, moi, je trouve que j'ai fait quand même le bon choix de rien dire. Voilà. Avez-vous cassé le bras du tireur dans les locks? Alors vous, 51,3% des joueurs avaient fait preuve de clémence. Ah oh, putain, ils sont bien. Oh les gens, ils sont un peu brutaux quand même. Il y a quand même 48,7%, ça veut dire parce que la moitié des gens qui ont voulu le casser le bras. Oh les mecs, vous êtes brutaux là, franchement là. Putain. À qui avez-vous donné la clé de Falcon? La clé des données de Falcon, ok. La clé Falcon donnée, putain, comment ils savent même pas traduire ça. Ouais, ouais, bah ça, okay, ça c'est normal, je pense. Comment Batman s'est-il occupé de Falcon à la fin? Ah, il l'a arrêté. Bah oui, évidemment, bien évidemment. 10 joueurs à défi Falcon, gna, mais voilà, bon, là c'est un petit résumé. Bah voilà, bah j'espère que cette petite épisode vous aura plu. Mais ça fait 11 minutes, bah attendez, on va enchaîner, on va pas s'arrêter. Est-ce que je laisse défiler? Ou pas. Non, on est, laisse pas défiler, c'est pas vraiment la fin, c'est juste la fin d'un épisode. On va comme ça pouvoir faire la suite. Tout de suite. Suivez les aventures de Batman dans toutes les librairies. Oh putain, la pub. Ok. Cette pub. Oh putain, c'était. Oh putain, le teaser. Je sais pas si je vous l'aurais laissé parce que bon, on enchaîne direct. Et ça spoil un peu, mais bon. Ah, moi j'aime pas les trucs comme ça. Par exemple, ils font. Allez, je vais faire une petite parenthèse parce que quand même. Voilà. Dans Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super, à la fin, ils le mettent à la fin du générique la suite. Moi, je le regarde jamais. Mais je sais qu'il y en a qui regardent. Et moi, ça m'énerve. Je vous jure, je suis un mec qui aime bien ne pas être spoilé du tout. Et ça m'énerve de savoir qu'ils montrent même quelques images. Ils montrent pas tout, bien sûr. Ils montrent quelques images. Mais même de savoir que, par exemple, là, je sais qu'après, je vais jouer avec Catwoman. Ça m'a spoilé. Je déteste ça, en plus on va même pas passer. Je suis contrarié, je suis colère. Je suis colérique. Je suis colère. Voilà. Alors je vais défoncer des gens, ça va me calmer. Je vais les tuer une petite grand-mère dans la rue. Je sais qu'il y en a une qui vend de la drogue apparemment juste en bas de chez moi, je rigole. Je plaisante bien évidemment. Ce n'est pas une grand-mère qui deal, c'est un chien alcoolique. Ah, là ça t'a résumé. Ça me dégoûterait, putain, de savoir que ce sont les Wayne en vrai qui sont. Ah, ça me dégoûterait, je vous jure, ça me dégoûterait. J'espère que c'est pas ça, que c'est un truc, autre chose. Ou que les Wayne ils étaient en infiltration, je sais pas, on sait jamais. Ah, je vous jure, ça m'énerverait. Je sais que c'est bien pensé et tout, voilà. Ça retourne carrément le truc et tout. Que Batman il doit même. Si ses parents sont. Cette série, je joue, oui. Ça, je le savais. Ah, mais ça m'énerverait. Je suis tellement attaché à Owen, quoi. Voilà. Mais bon, après, chacun ses choix. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Vous avez de la chance. Parce que moi, j'aime pas. Voilà. Mais vous avez le droit d'aimer. Chacun son chemin. Chacun sa route. Chacun son chemin. Chacun ses choix. Patati patata. Je sais pas faire de rime. Owen Memorial. Oh. Auditorium, j'ai eu le temps de lire parce que ça a ramé. C'est un petit peu freeze. Ah, on revient sur les moments où ils sont décédés. Ah, il y a une plaque commémorative quand même. Only you now, Master Bruce. Crime Alley. Ah, bah oui, parce qu'il y a eu un crime, du coup on l'a appelé Crime Alley. Ça aurait été paix. Il y aurait eu que de la paix dans cette allée, on l'aurait appelé Peace Alley. Ou qu'il y ait de la pisse aussi, on aurait pu de la pisse, ça marche dans les deux sens. Upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Bon, dites-moi que c'est pas vrai quand même. Tell me, all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly two decades.
I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. Restez silencieux parce que je sais pas quoi dire, Alpha. J'ai pas envie de te dire. Tu me saoules? Thomas was a good man in many ways, but he was not immune to temptation. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. J'étais au courant de tout ça. And you never let on. You're behaving like I was part of the conspiracy. I want you to know, I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then, they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Je peux pas y croire. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. J'aime le petit bruit de la pluie sur le parapluie, c'est bien fait. Donnez-moi un petit peu de temps. Give me some time to think it through, okay? This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, that's a fair assumption. You don't think? You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Ooh, freeze. Uh-oh. Les amis, je crois que le jeu vient de bugger. Alors, comme des fois ça m'arrive quand je lance une application sur la PlayStation 4, ça va, soit ça va revenir après quelques temps, soit la PS4 va s'éteindre. J'en suis désolé si c'est le cas. Je laisse tourner pour l'instant, on verra bien. Maybe there was some detail. Ouh, j'ai eu peur. C'est bon, c'est revenu. Ça a mis quand même presque 3-4 minutes, j'ai eu peur. Oh, excusez-moi les gens. Alors, premièrement, j'ai eu vraiment peur là, que ma console s'éteigne pendant que j'étais en train d'enregistrer. Ouh, j'ai vraiment de la sueur partout, je vous le dis. Et en plus, faut que je me remette de l'idée que les Wayne étaient des salauds. Enfin, des criminels, apparemment. Enfin, étaient en tout cas liés à la criminalité. Ouh, c'est trop de choses à supporter là. En un épisode là, c'est bon. Alors voyons voir. Déjà on se barre, non? On se barre, on veut pas rester là, putain bordel de merde. Bon alors, voyons voir. On va analyser chaque truc. On va se rappeler des mauvais souvenirs, c'est super. I want him standing here right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? C'est Freeze ou c'est ça là ou c'est bon? Je lui demanderai pourquoi. Je le remettrai en prison. I take him to jail, just like any other criminal. But he's not just any criminal, is he? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Ça serait bien que ce soit le Joker. Comme dans l'histoire avec Tim Burton. J'aime bien ce film parce qu'il fait que c'est...
le Joker qui a créé Batman, mais Batman qui a créé le Joker aussi. C'était intéressant, mais après, il veut pas reprendre tous, mais c'est bizarre qu'il y en a qui ont pas repris cette idée-là, parce que c'était une bonne idée. J'aurais cru que, bon, bah, pas mal de comics aient repris cette idée, ou peut-être le jeu, quoi. Mais bizarrement, personne n'a repris. Après, c'est chacun son droit. Alfred, allez, Alfred, tu es un indice. Je vais te mettre dans ma grotte. Bon, d'accord, ok, c'est tout. C'était juste pour dire, bah, je suis en train de marcher, regarder un petit peu aux alentours. Utiliser mon instinct de détective. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Je n'arrive pas à le voir en criminel. I can't picture him as a criminal, not the kind I deal with. In that moment, he was simply your father. Mm-hmm. Ok. On va aller voir un peu plus. C'est quand même chelou cette histoire, hein. Je suis pas content. Remboursé. Non, je rigole. C'était gratos. Gratosement remboursé. Ça existe. I saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Maman, pourquoi t'es méchante? Maman, le monsieur lui dit que t'es méchante, moi je crois pas que t'es méchante. Parce que je suis encore, j'ai une âme encore d'enfant. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gun fires. And after that? Et après il meurt, banane. Ah, considerable gaps in that recollection. Oh, ça va, hein, c'est un peu traumatisant quand même pour un gosse. Hein. Do I really want to know? Oula. Curseur magique pour effectuer les déplacements. Ok, on utilise les déplacements. On marche tout droit parce qu'il y a que ça à faire de toute façon. Oui, alors je marche. Stay back. Take whatever you want. And the personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Ah ouais, il a quand même... Oh putain, c'est dégueulasse. J'aurais pas faire pas me souvenir en fait. Et la mère, t'es obligé, la mère. Pourquoi tu tues pas le gamin? Autant entier, t'as tué une femme et un mec, tu peux tuer un gamin, hein. Parce qu'il a le temps de les voler et tout, le gamin. Ah, le collier perle à chaque fois qu'il tombe, par contre, ça c'est toujours une... C'est toujours pareil. C'est normal, ces lignes noires là, c'est chiant. Bruce, are you all right? It wasn't a mugging. Ah, maintenant c'est pas une agression. Assassin. Ah, ça m'énerve ça. And Carmine Falcone knows why. Oh putain, ça m'énerve, le gars. Tout d'un coup, il se dit, ah, oh, bah en fait c'était pas une agression, je viens de me souvenir qu'il disait une phrase pendant sa mort qui était horriblement dégueulasse et qui m'a traumatisé, mais ce moment-là, qui dit ce mot-là, je m'en souviens plus. Je déteste ça dans les films. Ah, ça partait bien, ce Batman Telltale Games. Et ça part en cacahuète très vite. Bon. On fait un pas là-dessus, Snake. On continue. JCPD. 8h56 du matin. Putain, c'est tôt, les gars. Moi, je veux dormir encore. Mais attends, il faut qu'il le interroge sur le code. Comment il va l'interroger? Il faut qu'il rentre chez la police. Ah, bah oui, pour rentrer comme ça. En même temps, c'est Wayne, qu'est-ce que je dis? Ils sont copains, c'est Arnold Schwarzenegger. En même temps, bah oui, Arnold Schwarzenegger, on est toutes les polices. Regardez les Terminator. I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant.
It's better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen. Jim? We finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Oh, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. But everything's been a little busy. It was nothing worth mentioning. Your friend gave us the whole case against Falcone. Oh, c'était rien du tout. Not worth mentioning, huh? It's the reason I said yes to this. J'aurais peut-être dû lui dire. J'ai dit la vérité sur mes parents, mais je lui dis pas pour le dossier. Non, parce que c'est quand même... Il pourrait se douter que je suis Batman, quoi. That son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, René. Not this time. Mr. Wayne? Sergeant René Montoya. Ah, Montoya. I just wanted to say, you know, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. Oh, par contre, elle a une tête bizarre, Montoya. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Well, whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Yeah, it's great to know he's out there watching over the city. Ouais, j'ai dit quelque chose de gentil. Harvey, il a répondu right, que c'était bien. Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Allez, c'est parti. On lui met une patate et on rentre. T'imagines, il rentre, il met une patate, il se perd. Oh boy, il en a deux. Voilà, c'est pas assez gros comme ça. Attention, on va normalement y avoir le titre là, de l'épisode 2 qui va arriver. Attention. Suspense, tambour. Non. Les enfants d'Arkham. Voilà. Je vous ai spoilé un peu. Oh, Bruce Wayne. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time. Mais pas l'air d'aller bien. You look like you tangled with the wrong guy. This is nothing. You should have seen me before I became boss. I'd show up all beat to hell. Your father had sewn me back together. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. Two killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to your dense party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. We are not family, Falcone. I'm nothing like you. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Well, plus vraiment, hein, t'es plus... Damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Oh, putain, non. Non. I'm not here to take care of you. You deserve to suffer for what you've done. Of course, you'd never know the truth.
how much of your old man is in you. What kind of son did he make? I need you alive, but only until I have answers. Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne seed. He loved me. Oh, mais donne-moi une patate. He did it all for you. He protected his own. And if you got on his bad side, your father was more ruthless than any of us. He had a switch, you know? Still, made us all rich, including you. Some people just have the mind for it. He was one of the most brilliant men I ever knew. I never asked for any of it. And yet, the money spends, doesn't it? He made you rich, but you still had him killed. What, you really think I ordered the hit? Sure, I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Oh, crache le morceau. Ah bah oui, d'accord. Ok, Montoya, d'accord. Oh, toi t'as été... Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! En tout cas, elle a bien visé. Une dans le cœur, une dans la tête. Hein. Allez, Montoya, bravo, hein. Pouce bleu. Hein. Bon, voilà, maintenant je peux plus savoir ce qui se passait, mais bravo. Mais elle a dû être infectée parce qu'il y a eu un truc sur sa lèvre. En plus, Montoya, c'est un agent assez bien connu du comics. Moi, je la connais bien. Surtout de la série Batman de 1990. Alors, ça m'étonnerait qu'elle soit méchante. À mon avis, elle a été infectée par le truc chimique. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime. Eh ben, on va s'arrêter là. Voilà, je reprendrai un petit peu au moment où ils sont parlé dans le bureau. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour le petit freeze qu'il y a eu pendant le moment. Et on s'est tapé la bande annonce. Enfin non, moi je vais peut-être essayer de la couper. Je pense que je vais la couper en montage. Mais moi je serais tapé la bande annonce qui spoil tout là quand on reprend l'épisode. Et le rappel de l'épisode, parce que normalement j'aurais dû enchaîner comme ça après. Bon, mais c'est pas grave, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était... ça m'a fait plaisir, ou pas, ça dépend. Il y a eu le freeze qui m'a fait peur, et apparemment l'histoire des Gwen, c'est beaucoup plus sale qu'on y croit. Et bon, mais chacun ses goûts, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, j'ai déjà dit, à vous abonner à la chaîne, c'est gratos, à la 4 Family, voilà. Salut tout le monde, on se retrouve pour le prochain épisode. Portez-vous bien!